Bonsoir tout le monde, moi content ouais nous dans rendez-vous info, c'est troisième sortie nous pour ce maintenant et jeudi à c'est mercredi 21 août. Jeudi à une autre fois encore on a pu mettre depuis studio 4 dans Washington DC, c'est VOA Creole, la voix d'Amérique en train de la caillou, mais grand titre actualité que nous avons pour vous journée jeudi. Jeudi mercredi 21 août ça, c'est troisième journée Congrès national Parti démocrate là. Jacqueline Belizia sous place depuis ville Chicago. Moyen-Orient, secrétaire d'État américain Anthony Blinken toujours à chercher yon campé tiré dans la guerre pendant que l'armée Israël là lancé yon attaque matin dans Gaza. Réaction toujours continue à tomber sous sanctions que département d'État prend contre ancien président Matéli. Avocat Douamoun Brian Concanon by plus explications sous sanctions yo. Bonsoir encore une fois et nous comptons voir un rendez-vous ça nous toutes qui brèchent à la ronde badé rendez-vous info en de la caillou n'a commencé pas du que c'est troisième journée convention parti démocrate qui a déroulé justement dans ville Chicago et nous gain sous place notre collaborateur Jacqueline Belizère. Jacqueline Belizère qui dans Chicago. Jacqueline, c'est troisième journée, première deuxième journée était bien passé, nous te ba nous bel travail, bel reportage sous journée ça yo. Je dis à qui ça différent de première deuxième journée et certainement on va nous résumer peut-être de deuxième journée. Jacqueline, bonsoir. Jacqueline, bonsoir Valério. D'abord, on résumé deuxième journée. D'abord, en dehors de United Center, qui c'est principal au lieu et convention ça, mais dehors, t'as une manifestation tout. La police fait plus passer en cinquantaine arrestations. Yo dit moun sa yo tapé créer danger pour villa ces manifestants qui t'ont demandé yon fait nan guerre et Israël. Amas là. Et puis en dans li même dans United Center, et ben c'était défilé yo. Premièrement, un rituel qui était fait, nous dit rituel parce que depuis avant, gagne délégué yo qui était déjà nommé officiellement Kamala Harris pour représenter parti dans élection 5 novembre yo. Mais yo te font rituel hier côté que chaque état a dit que à toute force yo, à tout enthousiasme que yo voté pour Kamala et Harris. Et puis après ça te gagne de grands noms par exemple Chuck Schumer qui c'est leader majorité et démocrate dans le Sénat et puis te gagne Bernie Sanders et qui était là tout. Mais yon fait important c'est que te gagne on John Giles qui c'est un magistrat républicain et qui lui-même journée jodia et ben l'a soutenu Kamala Harris. Et après ça gen moun gen spécialiste qui dit c'était un show médiatique qui était fait avec le couple et Obama et Michelle Obama et Barack Obama. Mais avant ça tout te gen Doug Inhofe qui c'est et mari Kamala Harris qui lui-même te prend la parole avant que couple Obama te vini et ben yo te font présentation extraordinaire. Gen moun ki di gen charme la donne et gen moun ki di gen pile précision, en pile élégance, en pile éloquence. On a loin ça pri. Deuxième journée convention nationale parti démocrate la cap déroulé dans Chicago dans l'État Illinois. Pour un pile analyste, c'était un gros show médiatique avec un paquet de gros orateurs, spécialement moun tankou ancien président Barack Obama qui était venu par peuple américain raison pour choisir Kamala Harris sous Donald Trump. Ancien président qui dit que sentit la Kylie te recevoir yon coquin akan. America's ready for a new chapter. États-Unis paré pour vivre yon nouveau chapitre pour yon histoire qui pi belle. Nous paré pour président Kamala Harris. Rapidement, ancien président Barack Obama fait yon comparaison entre vice-président Kamala Harris et rival républicain li, ancien président Donald Trump. Kamala Harris pa pral concentré sous problème pâle. Li pral concentré sous problème pau. En tant que président, li pa pral contenté pour satisfaire partisan yo et puis moun ki refuse faire ti sousou devant ou soit vin meta genou nan piel, li pral travail pito nan non chaque grain américain. Et c'est ça qui Kamala Harris là. C'est ancienne première dame Michelle Obama qui t'est présenté Maril. Michelle Obama dit campagne raccourci Kamala Harris là t'a doué yon raison pour encourager démocrate yo pour travailler pi plus pour élire. We cannot indulge. Nous pas de lamenter nous pour nous connaître est-ce que pays ça a élu yon moun tankou Kamala. Au lieu de ça, c'est pour nous faire j'effort pour nous élu yon moun tankou Kamala. Bien que démocrate yo t'es déjà nommé Kamala Harris pi bon nan moi, mais t'es gen rituel habituel la côté ak en pile chaleur, en pile enthousiasme. Délégué dans chaque état te confirmé choix en faveur Kamala Harris qui lui-même te remercié depuis un rassemblement dans
Wisconsin. Démocrate te gen occasion tout tande Marie Kamala Harris, Doug Inhofe, qui présente madame ni tankou yon combattant, yon guerrière joyeuse. Il a dirigé pays à conviction que quel que soit côté ou soti, quel que soit apparence ou, nous pifol et nous mettez force nous ensemble pour nous gommer pour conviction nous. Pas seulement contre ça qui fait nous peur. Deuxième soirée convention, c'était pour accueillir tout membre administration Donald Trump et responsable parti républicain qui au même journée jodia a soutenu et Kamala Harris tant que John Geis, un magistrat républicain. Trump made a lot of lofty promises. Trump fait un pile gros promesses tant que une croissance économique sans limite, renaissance dans industrie américaine là, une frontière avec full sécurité. Et bien, toute parole Donald Trump sa yo, c'était parole en l'air. Jodi mercredi, dans l'occasion 3e soirée convention, gouverneur Tim Walz pral présenter discours d'acceptation comme candidat à la vice-présidence. VOA Creole dans United Center pour convention nationale parti démocrate là. Restez branchés pour capable gagner toute information. Défilé grande personnalité, grande figure parti démocrate là, Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama, Joe Biden et très naturellement Kamala Harris avec Tim Walz. Donc restez branchés sur VOA Creole pour capable gagner toute information ça. Nous c'est VOA Creole, c'est nous qui a fait ça. Moi c'est Jacques Lebrise. Jacqueline Belizer qui sous place ensemble avec nous depuis ville Chicago qui a fait travail là Jacqueline, c'était deuxième journée, on va nous résumer donc deuxième journée. Jeudi à c'est troisième journée. Et qui ça qu'on gagne comme programme et qui peut-être l'autre barre qu'on capable signaler pour troisième journée ça Jacqueline. Donc pour troisième journée, premier bagage grand focus là c'est sur Tim Walz qui lui-même pral fait ça les discours d'acceptation ou d'accord le tout discours de remerciement côté que il pral remercier délégué dès que yo choisi pour le colistier Kamala Harris. Mais pral gen l'autre personnage tout pour un pile monde qui notre speaker soirée c'est ta ancien président Bill Clinton. Mais n'a signalé tout l'autre personnalité qui présent, nous capable signaler Nancy Pelosi qui c'est ancienne président chambre députée, gagné et secrétaire Pete Buttigieg qui est même cap là tout, mais focus là c'est sur deux moun, Bill Clinton, ancien président Bill Clinton et surtout Tim Walz qui est même pral fait discours et d'acceptation. Non, événement ça autour Valerio qu'on gagne des surprises et qu'on gagne artiste qui vient qu'on pas t'attendre et puis tout n'a signalé tout. Et une délégation haïtienne qui est très présente dans la convention ça et nous avons rencontré quelques cadres et nous avons rencontré l'autre encore. Donc troisième soirée c'est une autre soirée encore dans le cadre convention nationale parti démocrate la cap déroulé dans Chicago dans l'État Illinois. D'accord, merci Jacqueline, n'a bon rendez-vous, n'a cassé rendez-vous ensemble avec vous, on se fait encore demain pour quatrième journée Jacqueline. Merci Jacqueline. L'autre point d'actualité à fois ça nous parler de sanctions ça yo que les États-Unis prennent contre ancien président Joseph Michel Martelly, des sanctions qui justement mettaient en question implication sous aux affaires de drogue, implication dans trafic de drogue, trafic illégal et certainement sanctions ça tout yo parler de sponsorisation que t'a fait et monsieur Gangyo en Haïti. Et ben il y a des réactions qui tombaient. Première réaction, son réaction officielle, son réaction yo officielle côté que dans la coupe pays d'Haïti pendant conférence de presse, et ben ambassadeur américain en Haïti c'est Denis Hankins te répond une question Gérard Maximo qui te posait la question ça pendant une conférence de presse. À nous suivre. Nous sommes en état de droit, alors il faut être sûr que quand nous avons pris cette décision aujourd'hui de faire des sanctions personnelles contre l'ancien président, c'était basé sur la détermination que l'ancien président a facilité le trafic de drogue. En 2020, président Biden a fait une déclaration présidentielle qui a donné permission de imposer les sanctions des États-Unis contre les gens qui fait des qui sont engagés dans le trafic de drogue. Nous savons depuis longtemps, nous avons travaillé avec plusieurs gouvernements haïtiens pour contrôler le trafic de drogue parce que ça c'est un impact direct en rôle de financement des gangs. Et même nous avons vu que l'ancien président a aidé plusieurs gangs. Alors maintenant, c'est le moment que nous avons trouvé assez des informations au sein du gouvernement pour prendre cette décision.
Nous savons que Canada a fait des sanctions avant. Et il y a des autres qui doivent faire leur décision au niveau de l'ONU. Mais pour nous, c'était important parce que, bon, si je peux passer en créole, okay. Nous besoin, nous, gouvernement États-Unis, gouvernement Haïti, nous besoin frapper criminel à cravate, même gens à criminel à exam. C'est important que, et même aujourd'hui, le secrétaire d'État a dit que n'importe quel rang, quelle position, c'est important que les élites qui font des efforts pour déstabiliser Haïti, pour compliquer la vie des Haïtiens, doivent être traités dans le même sens. Donc, vous croyez que l'ex-président est l'un des criminels à cravate, monsieur l'ambassadeur? Oui, alors c'est dans notre déclaration qu'il était engagé dans le trafic de drogue et il a aidé les groupes, les gangs criminels en Haïti. Dans ce sens, c'est le limite des sanctions. Les sanctions, c'est économique contre lui pour le moment, mais ça, c'était notre détermination. Et il y a des autres et on continue de travailler de notre propres ressources, mais aussi avec le gouvernement Haïti, de voir s'il y a des autres élites, soit en Haïti, soit aux États-Unis, qui font des efforts pour déstabiliser votre pays. Voilà, c'était donc réaction un officiel américain et c'est ambassadeur américain en Haïti, Dennis Hankins, qui a réagi justement sous sanctions ça que les États-Unis prennent contre ancien président Joseph Michel Martelly. Réaction continue à tomber, fois ça, on a pris le joint une réaction beaucoup de par magistrat North Miami, une ville dans Miami Nord, là, c'est Alix Desulmé qui lui-même tout a réagi sous question sanctions ça. Alix Desulmé. Une nouvelle qui tombe pendant nous là, tout le monde saisit que former président pays à Michel Martelly qui administration Biden et Harris là bah on sanction là qui passe là qui ça sont l'autre un pas encore qu'on ainsi que je tape mettez main sur un former président magistrat le regard des sanctions ça contre ce président Martelly il faut garder bon la carreau parce que Martelly t'a semblé que ou bien très puissant ou bien très présent bon la carreau et qui genre ou même qui genre nouvelle ça rentre dans eux quelques semaines de ça communauté a t'es réellement campé et pas connait ça moi pas même dans ville là l'aime t'entrer t'es gagné un clip privé qui t'a invité former président et les qui m'ont venu au courant de ça en pile dans mon communauté moi commencé je n'appelle de à Paris de Martinique de en Haïti comme c'est magistrat peuple là yo relé moi yo gagne téléphone moi yo relé moi c'est moi comme j'ai expliqué yo que légalement pas gagné absolument rien légalement nous-mêmes nous qu'a fait comme municipalité a parce que c'est pas dans municipalité a la vie de jouer dans un venue qui dans municipalité c'est la caille où invité légalement pas gagné absolument on bagaille privé mais nous t'es pas ensemble avec maître restaurant en mieux te dit nous t'a pour essayer de pas faire ça marcher mais c'est maître restaurant qui gagne dernier final décision et nous gens ça passé mais communauté a télévé te dit non et me pense que pour eux même nouvelle ça qu'a entré tout monde qui pour lui un monde qui compte lui moi même de mettre note de presse moi dehors côté que me dit que notre Miami Villa pas faire concert avec Martelly et nous pas t'inviter Martelly dans Villa son bagaille privé qu'a fait et légalement nous pas faire absolument rien de ça mais qui ça nous gagne contre un artiste qui voulait faire un concert quelconque. Est-ce que vous voulez faire une différence entre Michel Martelly avec Suite Mickey? Oui, nous pas non, nous-mêmes nous pas gagner. On compte des pièces moun que lui-même son artiste lié, il gagne droit aller pour le faire pour jouer, il gagne droit aller pour you know, tout le monde doit pour travail, c'est travail là jouer, il gagne droit pour le travail. Mais nous pas gagner problème ensemble avec ça non. J'aimerais même gagner droit moi pour moi ca you know, travail pour me caider de famille moi, lui-même gagne droit tout. Mais avec tout ça, toute mon responsabilité, mon droit tout. Si la communauté me représente a dit non, c'est ça me représente. Moi dis non. Ce n'est pas pour dire que soit fait personnellement, qu'après ça soit fait des communautés que t'as réglé. C'est ça que fait ça. Si que c'est dans la ville là, c'est en place dans la ville là que t'as fait là.
nous même dans ville North Miami, nous pas accepter comme nous une majorité haïtien américain qui représenté, nous pas accepter lui, mais comme son bagage privé, yo ka fait ça vous voulez dans local privé. Voilà, nous sommes des réactions magistrat ville dans Miami Nord-Land, Alix Désulmé, sous sanction ça que les États-Unis prend contre ancien président Joseph Michel Martelly. Son sanction qui créait en pile réaction. Moun a réagi différents côtés dans différents secteurs, dans différentes couches société à que c'est dans vie politique là que c'est dans ça les HMI là et ben moun qui fait musique la culture, il réagit tout puisque Michel Martelly c'est en même temps Sweet Mickey, il y a un jazz qui est les Sweet Mickey. C'est comme ça que nous pourrions aller dans la coupe Brooklyn à New York côté que Gary Altidor, correspondant collaborateur à New York, te font un petit coup de pied devant quartier général, comité ça qui est responsable, organisé carnaval Caraïbe, qui c'est Labor Day Carnival, qui a déroulé le 2 septembre prochain dans la cour New York. Il était rencontré avec à la tête organisation ça qui c'est Komo Koda, qui une autre fois, c'est deuxième fois, il vient devant local comité ça, puis il dit, il n'est pas d'accord pour Sweet Mickey participer dans le carnaval là. Et en même temps, tout, nous pourrions rencontrer avec Guitari Wash qui c'est un ami personnel de Michel Martelly, et c'est manager jazz Sweet Mickey. On a regardé réaction de Mounsayo, Gary Altidor, t'es sous place dans la cour Brooklyn. Martelly. Nous retournons aujourd'hui parce que mardi passé, là, nous t'es venu, Valérie était là, comité était marron, bureau était fermé. So, nous retournons aujourd'hui pour nous remettre une lettre. On lettre tout l'ouvri, Nabay et VOA Creole, une copie lettre là. Qui gagne la donne tout sanction que le gouvernement américain prend le département trésor prend contre Michel Martelly. Ça n'a pas de haut, c'est un bagage qui est clair. Carnaval l'a fait le 2 septembre. Nous connaissons que Martelly n'est pas dans la liste groupe que le comité carnaval l'a bail permis pour le bon chat sous Pacoya. Mais nous venons là parce que y a un bruit qui a couru dans la communauté que malgré sanctions du département trésor, il y a un groupe qui est d'accord pour quitter Martelly monter sous Chayo. Normalement, le comité carnaval là, nous voulons connaître que si Martelly sous Pacoya, n'importe l'obéi qui est arrivé, c'est responsabilité. Faut que moi dis où nous sortis dans bureau yo là qu'on y a, yo refusé prendre lettre là dans main nous. Martelly. M'pas penser que Easton Parkway c'est belong to moun qui dit Michel Martelly va gagne droit pour sous Parkway et jazz enregistré, tout bail nous a paré, camion a préparé et puis comme nous t'ai projeté et puis tout bail a fait de même. Jazz a payer enregistrement pour l'enregistrer pour le Soupakoya. Que c'est tout le monde qui doit participer au Soupakoya, il faut payer enregistrement, il faut enregistrer. Et puis bon, et tout le bagage nous fait. Et puis, nous avons prêté temps. Et bon, moi, monsieur, tu as essayé de porter l'être allé. Et je dis, il n'y a pas de l'être allé à la ménage. Parce que, you know, c'est. Moi-même, le monde a parlé de sanctions. Tout le monde doit prendre sanctions. OK? Et. Grâce à Dieu, c'est dans le pays de loi nous vivons, et l'Amérique. Et tout le monde est innocent until you're proven guilty. So, et bon, je ne vais pas aller dans tout le monde avec nous, moi je suis avocat, ça selon que je connais que. Et Jazla a préparé lui, et puis tout le monde, on a tout fanatique qui vient pour plaisir, nous pas faire de jour, c'est carnaval lié, c'est plaisir, on a pris avec le respect pour tout le monde. Respect pour tout le monde, quel que soit le monde qui est, nous ne nous pas venir sous parcours pour ni jouer à monde, ni faire politique. C'est musique, c'est la culture, et culture haïtienne, culture caribéenne, et puis bon, Sweet Mickey is going to be part of it. Sacré remel, sacré paramel, ou qui doit tout pour pas là. Merci Gary Altidor qui t'a promené caméra avec Nicolas dans la cour Brooklyn pour te prendre impression, opinion. Moun qui est d'accord, moun qui fanatique Michel Martelly, Sweet Mickey, moun qui pas d'accord, tout le monde a la voix au chapitre, tout le monde doit parler et nous te rencontrer justement avec 11 amis personnels, Michel Martelly et manager Jazz Sweet Mickey. C'est comme ça tout VOA que te prend contact avec responsable comité carnaval qui lui-même a organisé carnaval là pour communauté haïtienne, qui lui-même c'est à la tête li nous joindre Jensen Desrosiers qui fait nous connaître que gen trois jazz que même au courant qui a sorti officiellement
sous parcours dans jazz yo, c'est Rock Fam, c'est Tony Mix avec un ban à pied, un ban rara. Quand ça tourne en fait travail de façon correcte, nous même tout dans VOA Creole, nous t'ai manché téléphone, nous t'ai relé avocat Michel Martelia, avocat Michel Martelia qui lui-même c'est Richard Danso, maître Richard Danso qui t'ai répondu téléphone, elle m'a relé, il t'ai parlé avec moi, il t'ai dit que pour le moment, il pas fait aucun commentaire, il pas gain aucun commentaire que l'a fait concernant sanction ça que les États-Unis prend contre ancien président Joseph Michel Martelly. Alors pour capable bien comprendre peut-être bien cerner question puisque gen moun k'ap réagi, gen moun ki gen opinion yo, mais c'est quand même une sanction qui gen des aspects légaux là-dedans. Pour nous faire comprendre, pour gain plus explication et pour une meilleure compréhension des choses, nous t'ai rencontré une autre fois encore avec avocat maître Brian Kankanon qui sont avocat Douamoun qui t'ai parlé ensemble avec VOA Creole qui t'ai expliqué lui-même qui j'en loue question et qui implication ça gain. Question sanction contre ancien président Michel Martelly, Brian Kankanon t'ai parlé avec VOA Creole. Idée régime sanction ça yo, c'est que États-Unis s'il est déterminé que yo moun était impliqué dans un trafic international de drogue là, que États-Unis capable imposer sanctions. D'après régime sanction, c'est pas une punition, c'est pas une sanction pénale, mais c'est plutôt un effort pour changer comportement de monde. Donc, pas une question de mon aller dans une prison, mais l'idée c'est que ça fait la vie yon cible sanction plus difficile. Li pas sous arrestation, li pas pral et yon pas pral déporter le tout puisque la vie visite aux États-Unis d'après information que nous gagnons. Donc ça yon pas la donne. C'est pas du tout lié. C'est possible à gagner une investigation pénale, pas au courant de ça. Okay. Mais le fait qu'il y ait une sanction n'est pas rien à faire avec une enquête criminelle. Pour moi-même, en tant que citoyen, pas penser que le fait que le monde subit sanction, ça veut dire les coupables. Je dis ça dans notre presse, c'est que je voulais que sanction ça, c'est un signal pour président Martelly et avec l'autre monde que a gagné conséquences si moun participe nan drogue yo. Est-ce que le cas continuer honorer contrat ça que le gagne par exemple il gagne contrat pour la jouer dans la cour New York, il gagne intention voulait participer tout dans Liberty Carnival caribéen dans Brooklyn tout. Est-ce que le cas fait ça yo? Est-ce que légalement le cas continuer mener activité li? Est-ce que promoteur haïtien capable embaucher Jazz Suite Mickey pour jouer bal pour yo? On pense que promoteur yo y a consulter un avocat pour assurer. Mais parce que il y a un piège. Par exemple, si on baille les crédits, donc si on dit que yo fait, monsieur Martelly, demander crédit avant pour, par exemple, pour acheter un billet avion à l'atrier. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas qu'à faire ça. Mais à part ça, si c'est seulement une question de lui venir, lui jouer un concert, et mon bail l'école pour faire, pas oui, aucun problème en donnant sanction pour activité ça. Et qui ça lit à qu'à faire légalement contre sanction? Pensez que président Martelly, pour répondre à la question, nous, il y a un bagage qui a fait, qui a allé devant le département du Trésor pour dire qu'il n'a pas pensé de justifier. But way que ça a marché pour aucun autre monde avant lui. Mais pour qui ça cogne, nous, en 2024? Oui, c'est une bonne question, parce que Canada t'a fait d'ici 2 ans. Oui. Et aussi que encore, il n'y a pas by détail, mais si vous avez note de presse là, semblait que ces bagailles étaient faites lors du président. Sanctions par une date de non, sont sanctions illimitées et à vie ou bien sanctions bon timing là-dedans? Les indéfinis qu'on mais il okay. Dit que lors du pas nécessaire, il est capable de faire tomber. Voilà, c'était avocat maître Brian Kankanon, ou avocat Douamoun qui t'a réagi et puis qui t'a bail réaction analyse sous les légalis sous sanction ça que les États-Unis prennent contre ancien président Joseph Michel Martelly. Actualité après poursuivre dans rendez-vous info fois ça analyse international là pour une fois qu'on est que secrétaire d'État américain Anthony Blinken pendant que l'a marché toujours pour joindre on cessez le feu on campé tiré au campé goumen dans la guerre dans Gaza et ben jeudi à matin la mais Israël a été frappé dans Gaza. Reportage Gentil Junior Augustin. Jeudi mercredi 21 août 2024 là,
Image montré l'armée Israël là cap mené opération dans Gaza. Alors que hier mardi 20 août 2024 là, dans Qatar, secrétaire d'État américain Anthony Blinken mandé branche armée Hamas là pour accepter dernière proposition américain pour yon campo dans la guerre Gaza. Israel has now accepted Kounyeya, Israël accepté proposition pour yon accord compromis dans Gaza. Moi personnellement tande Premier ministre Netanyahu dit ça hier. Et puis nous espérons que Hamas pral faire même bagay là. Secrétaire d'État américain insiste tout sous urgence pour la guerre Gaza suspend après 10 mois de bataille. Dans fin voyage li dans Moyen-Orient, li déclaré. This needs to get done. Accord Gaza doit aboutir. Et puis ça doit fait dans jour kap vini yo. Et puis nous pral fait tout ça qui nan pouvoir nous pour li abouti. Pendant toute démarche ça yo a fait pour joindre un suspend tiré dans la guerre, l'armée Israël la continue à attaquer Gaza. Et dans yon attaque li fait jeudi mercredi a, plusieurs civils mouri et un pilote blessé. Abdullah Al-Khatib, c'est un petit garçon palestinien qui blessé. Li dit: qui ça nous fait yo? Qui ça yo vle nan men nou? Et pour qui ça yo vise nou? Nous c'est ti moun et nous pa gen rien pour wè ak ça. Nous dormi et puis nous pa fait rien mal. Moi levé en bas des combes. Et puis, moi pas capable respirer. Yon l'autre côté, l'armée Israël l'a annoncé que li prend cadavre 6 otages qui mouri dans yon tunnel dans Gaza. Pendant yon opération qui était faite ensemble avec service renseignement israélien. Herzi Halevi, chef personnel l'armée Israël l'a déclaré. Nous te gen information sur yon côté. Côté otage nous yon mouri. Nous te allé chercher yo dans yon tunnel. Yon tunnel qui nan profondeur 10 mètres en bas terre. Nous tap vraiment remen mené yo tourner vivant. Mais en Israël, juste mené yon cadavre tourner pour enterrer, c'est un travail important en pile. Blinken, qui tap fait 9e voyage li nan Moyen-Orient depuis attaque Hamas te lancé 7 octobre 2023 sous Israël. Côté en pile moun te perdi la vie yo. Averti que ola yo proposé ya ta capable dernier chance pour mettre fin nan conflit ya. Et puis nan déclaration li avant li quitter Moyen-Orient, li fait konnen États-Unis pas accepté pour l'armée Israël là t'a occupé Gaza pour longtemps parce que accord très clair soulier côté force défense Israël là t'a contrôlé et pour combien de temps. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci Gentil Junior Augustin, ou sous VOA Creole n'a permet depuis studio 4 nous depuis Washington DC. Mais des nouvelles nous presque arrivé bout ou même qui t'es branché VOA Creole. Merci pour ça une autre fois encore. Merci parce que t'es choisi VOA Creole, la voix de l'Amérique, pour capable et eh ben et suivre information que nous pote baou. Nous t'après aller dans pays d'Haïti côté que dans Port-au-Prince et eh ben correspondant nous rue dans Toussaint t'a suivre pour nous une conférence de presse côté que journaliste ensemble avec Maître Arnel Rémy lui-même y t'ai suivre une conférence de presse que DCPJ t'es baï qui t'es cité non plusieurs journalistes malheureusement nouvelle ça et eh ben nous gagne reporter notre sous place qui t'es préparé pour nous pas temps présent au lit puisque le arrivé bout rapidement la fois qu'on est que grand titre de gain pour journée jeudi à certainement c'est troisième journée et ou du moins c'est convention parti démocrate qui t'a fait dans ville Chicago. Jacqueline Bélizier était sous place ensemble avec nous et demain la paix répond présent dans ville Chicago pour bah nous reportage image sous quatrième journée hein. Nous t'ai parlé tout de président Joseph Michel Martelly, ancien président faut nous dit qui joigne aux sanctions là dans un pays les États-Unis côté que accusé dans affaire drogue et puis dans affaire patron sponsorisation gang armé dans pays d'Haïti, ça qui fait que d'après notre de presse qui sorti dans le département d'État qui fait que pays d'Haïti dans instabilité que lié journée jodia. C'est comme ça que nous fini à bulletin nouvelle pour journée jodia. Merci tout le monde qui te permet nous réaliser bulletin nouvelle ça directeur nous dans salle enfin,
Sa technique en derrière la régie, c'est Jean-Marc Hervé Abila et puis tout le monde qui te permet bulletin nouvelle ça réaliser. Non pas monsieur Valérie Saint-Louis, bonsoir tout le monde, rendez-vous n'a cassé ensemble avec vous demain même heure pour rendez-vous info. Bonsoir tout le monde. C'était Michel Joseph Martelly, monsieur n'a gros couru aux États-Unis. Et moment n'a parlé en là, Martelly obligé n'a caché. Parce que après département trésor aux États-Unis, il prend sanction contre Michel Joseph Martelly. Pour yon dit que Martelly c'est un papa drogue, son zile drogue. Martelly son papa gang, parce que bam zibaga en bon créole pour m'yon comprendre ni. Tade bien? Bam zil en bon créole pour m'yon comprendre ni. Parce que en français qui a parlé, Martelly, les facilités, trafiquant drogue haïtien, ça en français oui. Tade dit, en bon créole, pour moun qui nan tout font cochon, yon capable comprendre, yon dit Martelly son zile drogue. Yon dit Martelly c'est un trafiquant zam. C'est ça yon dit là. Et yo découvri que les Martelly te sous pouvoir, il était utilisé pouvoir comme ancien président et pour te faire comme si on ensemble de dealer drogue, mais fait question drogue sorti de côté entre États-Unis et même question zam tout que yo te porté dans ghetto comme si faciliter les jeunes garçons avec jeunes femmes qui zam dans ghetto. C'est pas moi qui dis. Et pas moi qui dis. Ouais si c'est moi te dis avec des Ivenes. Nous avons dit, oh, ça est journaliste yo paye, et puis yo paye yo, pour qu'on va de su président. Et ça, on t'a dit. Mais, ouais, département d'État américain dit, ouais, tout le monde fait silence. Tout le monde fait silence. Parce que yo dit, Martelly, mettez avec élite politique corrompue ça, yo même, c'est de dealer de drogue qui la donne, et c'est de machin zam qui la donne. C'est ça, yo dit à travers communiqué. Et m'gon pile en nous l'île. Et, la question décision ça, que département trésor aux États-Unis prend, yo clairement montre que yo clairement dit que yo posé scellé sous bien Martelly. Question compte bancaire Martelly, yo calé, yo campé ça. Et si Martelly gon business aux États-Unis, mais Martelly risque perdre business ça. Et si Désir Venesse si Désir Venesse sous mes Blaise Peterson qui parle avec nous là, te faire business avec Martelly, et ben gars oui. Parce que yo prend chercher qu'on est sou qui base qu'on te fait business ça et qui côté de jeune l'argent ça. Là il dit bagarre la compliqué mes amis et haïtien qui dans diaspora en profiter pendant que département trésor États-Unis prend sanction contre Martelly en tout poser question côté de la 50 nous en passé. Côté de la 50 nous en passé. Martelly devine avec nèg fait compte gap administratif dans baï ça et jusqu'à présent même nèg qui vient après Martelly a volé l'argent de la 50 nous et des pas comme ça bande on met à boire 2 dollars ben un haïtien en Haïti ou obligé payer 1 dollar 50 on met à payer ou t'a voyer 5 dollars ben un moun en Haïti ou obligé payer 1 dollar 50 là et baï ça vient sous Martelly. Yo te dit pour question l'école FNE, pas vrai? Fonds national éducation. Regardez, même les Martelly par là, je vous regarde scandale corruption qui a passé dans FNE. Et en regarde les Martelly là, est-ce que l'argent de la 50 diaspora, est-ce que te kon investi vrai dans question l'école, dans bâtiment équipe scolaire? Est-ce que te investi dans faire l'école nationale? Gade côté jodi là mes amis, son montre oui. Pour que ti moun yo sem après là oui. En batage étage banan nuit en batage coco et tim n'a pas prendre nuit je tiens ce qui bonne voler ce qui bonne dit les drogues ce qui bonne trafiquant zam qui passer dans l'état Martelly Martelly seulement non Martelly Martelly seulement parce que Martelly pas seul monde qui mettait Haïti côté là mais parmi moun yo il pas mis comme monde qui mettait Haïti là mais pas il pas seul monde qui mettait Haïti là mais parmi monde qui mettait Haïti dans ça là désir commander mon frère. Félicitations avec plaisir nous là. Quelle bonne nouvelle là pour pays d'Haïti. Les bonnes nouvelles ça a pratiquement tombé. C'est bonne nouvelle. Là c'est bonne nouvelle. Ça dit la plaisir. Les identifier les maîtres criminels yo a identifié yo comme monde qui a fait zak en dedans pays a qui conduit pays a dans salia pour moi-même c'est bonne nouvelle pour peuple haïtien. Félicitations. Yo dit deuxième, j'ai information qu'il y a avec confiance border. Gagner l'autre monde là. Gagner l'autre ne pas sortir là frère. Quel autre n'a pas sorti dans l'adresse, frère?
Ta kou l'autre la te dit le bel situation, Gondjare de yo. Après Mateli là, et bien tout le monde qui est dans notre Mateli, qu'on était investi avec Mateli, commence à gagner votre ballonné. Et tout l'autre monde là qu'on est, ou te n'a pas tiré sur ça, dans la question de trafic de drogue, dans la question, Nadi qui ça là, dans la question qui est pour avec le trafic ZAM, pour aller courir des Ibenes. Madame Avancé. Bel situation, depuis la mise en contexte, émission Kalfou Vérité, pour aujourd'hui, nous permettre que Mounio. Qu'on l'idée sous décision département trésor États-Unis ou bien américain prend compte Michel Joseph Martelly qui était déjà bien ensemble sanctions qui t'a pesé sous dol mais ça pas empêcher le té nan té et américain il était États-Unis d'Amérique dans une note de presse département d'état département trésor américain publié l'institution il a pratiquement gagné ensemble conséquences dans décision que prend contre Michel Joseph Martelly. Selon sous-secrétaire de département trésor pour terrorisme et intelligence financière, nous voulons parler de Bradley T. Smith. Li ajouté, États-Unis, ensemble avec Patnelio, prend engagement pour bloquer tout le monde qui facilite trafic de drogue, corruption et l'autre activité illégale et puis aider à propager zak violence terrible, gang et instabilité politique en dedans pays d'Haïti. D'après département trésor, activité gang yo ak habit droit moun k'ap déroulé dans pays d'Haïti, soutire activité qui lié avec trafic de drogue et li di dans pays d'Haïti vin tourner yon point transit pour drogue illégale rentré aux États-Unis. Sous-secrétaire a continué pour di Blaise Peterson. Li di gen en pile bourgeois, politicien qui mêlé dans trafic de drogue. Depuis longtemps, États-Unis rendent responsable pour la violence, déstabilité que le pays d'Haïti a connu, je ne veux dire. Parmi eux, Michel Joseph Martelly, comme groupe Palto, bandit légal, qui pratiquement je dis, devant raconter. Département Trésor, accusé Michel Joseph Martelly, dès qu'il était servi avec influence pour faciliter le trafic de drogue dangereux, parmi eux, cocaïne. Qui gagne comme destination pour entrer dans le pays les États-Unis. Mettez sous ça, yo accusé Michel Joseph Martelly d'esque li mêlé dans blanchiment l'argent. Bénéfice yo fait sur la vente à drogue yo que li travaille ensemble avec trafiquants drogue haïtien et puis tout li appuyer plusieurs gangs en dedans pays. C'est pas moi Désir Venesse, c'est pas Blaise Peterson qui a parlé, nous pratiquement a décortiqué article que département trésor américain mettait dehors. Gouvernement Canada te prend sanction contre Michel Joseph Martelly 17 novembre 2022 Blaise Peterson. Qui impact sanction yo pral gagner sous Michel Joseph Martelly et tout l'autre monde qui pral tomber en bas sanction sa yo. Sanction sa yo gelé bien Michel Joseph Martelly, l'en dit gelé, c'est pratiquement li pa gen accès avec ensemble bien qu'elle gagne dans pays les États-Unis et puis tout li interdit et pour faire business avec monde qui États-Unis d'Amérique parce que transaction yo pas ka fait et yo pral mener enquête tant pour te dire Blaise Peterson sous ensemble moun sa ou ka fait commerce pour connait provenance l'argent yo institution financière américain yo interdit prêter Michel Joseph Martelly et l'argent ni bal crédit Blaise Peterson si monsieur aux États-Unis là il était bon bel crédit madame petite pour te fonctionner en famille eh bien et États-Unis OK, pral interdit ensemble presse ayo crédit que Michel Joseph Martelly te pratiquement gagné. Bagala pral très difficile pour Michel Joseph Martelly même qu'il est aux États-Unis d'Amérique. Blaise Peterson parce que songez que moun sa yo sensible pour intégrité et honnêteté yo. Sanction yo interdit. Aucun échange étranger qui tombe en bas juridiction les États-Unis avec Michel Joseph Martelly. Américain interdit. Investi ni acheté bien dans compagnie Martelly. Est-ce que vous entendez? Américain interdit, moun ka investi ni acheté dans compagnie Michel Joseph Martelly. Département Trésor dit, moun ki viole sanction sa yo, kap fè face avec pénalité criminelle, moun ki pa citoyen américain interdit tout pour comploter, pour essayer influencer ou bien tromper citoyen américain yo. Et pour yon capable de violer sanction si la yo Blaise Peterson. C'est pas si bagay piti, ça qui vient là. Comme n'a pas parlé de drogue à corruption,
des armes. On a parlé des armes. Je dis à la pays, pays en sal tombé à la. C'est fondi par la bien. C'est des dealers de drogue, de trafiquants d'armes qui mettent à ce côté là. C'est pas oublié. Drogue lié avec corruption, avec question d'armes, oui. C'est tout ensemble qui mettait. Dit là, non, ça n'y est là. Nous ne pouvons pas épargner tout, ou retirer, nous mettons là. Non, c'est tout ça. Tout ça mettait pays dans sa lié là. Eh bien, lui montrait que, selon le département de trésor États-Unis, eh bien, il montrait que Matéli, comme c'est que tout ça sous doule. Très bien. Blaise Peterson, trafic de drogue, c'est un crime, selon les gens américains, considérez la question si là. Si États-Unis, je dis, pas engagé aucune poursuite judiciaire contre Michel Joseph Martelly pour le juger et puis voyer le dans prison alors que nous cap dit Michel Joseph Martelly a vive bien longtemps dans terre américain. Américain si yo pas prendre décision ça yo mais qui ça que va prouver pour haïtien qui pratiquement a suivre actualité a. Américain a prouvé c'est un paquet de bluffé qui chita a fait politique dans dossier Haïti a et avec ensemble sanctions qui a parlé aux personnes. Ça fait une possibilité pour les États-Unis faire poursuite judiciaire contre Michel Joseph Martelly et puis voyer l'aller dans prison droite parce que question trafic de drogue c'est un crime et selon ça les États-Unis veulent comprendre question c'est là et songez ancien sénateur élu Grandens Guy Philippe tal dans prison c'est des trafic de drogue et blanchiment d'argent exact qui ont été accusés ils ont été arrêtés en Haïti aller aux États-Unis avec jodi Michel Joseph Martelly avec les Américains aux États-Unis ils ont pas besoin de faire trois efforts pour venir en Haïti balou libre avion pour y aller avec jodi c'est notre cafou ça ensemble haïtien qui a suivi film ça après tonne les États-Unis d'Amérique Blaise Peterson et amis internautes si vous voulez aller sous question qui a regardé là, tu as déjà gagné un ensemble de réactions qui t'a fait dans la presse sous question Michel Joseph Martelly Blaise Peterson. T'as l'air. Sécurité qui gagne en dedans pays ya. Li plus politique passé économique. D'après et Félix Lévy Milo, qui c'est président Fédération Nationale Travailleurs Santé. Li t'a parlé dans micro radio Caraïbe FM. Li t'a longé doit être tout long sous ancien président Michel Joseph Martelly qui d'après lui qui gagne contrôle bandio parce que te distribué zam bayo selon Félix Lévy Milo li fait quoi les personnes Martelly gagne contrôle bandio et même Michel Martelly ça l'a préparé pour le retourner dans tête pays a grâce à support moun qui sous pouvoir jodi a li prend plaisir nous voulons parler de Félix Lévy li prend plaisir pour le dénoncer ensemble moun qui dans gouvernement jodi a qui a préparé pour faire place pour Michel Joseph Martelly avec Gagnon, ses affaires, il va décider de faire rien contre les gangs armés qui pratiquement assument terreur en dedans pays avec situation. Nous avons dit un bagage. M'a seulement ajouté des hommes dit que Gagnon, sous même dossier Martelly, hein, eh bien, Gagnon, ministre des Affaires étrangères Canada, qui c'est Mélanie Joly, qui réagit quelques temps après que l'autorité américaine, le département de trésor États-Unis, prend décision pour sanctionner Michel Joseph Martelly. Mais regardez bien. Non, on a publié sur compte Twitter X officiel li quelques temps après annonce Mélanie Joly bat bravo la contentement peut-être que département trésor américain sanctionné Michel Joseph Martelly. Selon Mélanie Joly, li dit que yo était déjà yo même sanctionné Martelly nan date qui était 17 novembre 2022, Jean-Claude dit déjà désir. Selon sa Mélanie Joly dit, il dit que moun sa yo alors et Canada disons, yo te joué un rôle premier plan. Moun sa yo disons bien, yo te joué un rôle premier plan. Les que yo te sanctionné et Canada te joué un rôle premier plan, les que yo te sanctionné en pile moun nan élite politique haïtienne et comme ça bagaille. OK? Canada te joué t'es joué premier parti sur parlant, t'es joué premier rôle parlant, les qui ont été prendre décision pour être sanctionné divers acteurs dans l'élite politique haïtienne qui t'ont contribué dans le climat de violence qui est en Haïti. C'est ça, ministre des Affaires étrangères Canada, Mélanie Joly, écrit. Mélanie Joly dit faut que toute communauté internationale mette ensemble pour battre contre la corruption et puis la guerre.
responsabilité yo sou si la yo kap terrorize peyi an et puis pep haïtien an pou ke yo kapab mete moun sa yo sou kote. Désir, m'bra vini avec reportage sa ke zami konsèr nou nan la Voix d'Amérique ki se Sandra Lemaire réalisé concernant sanction sa. Mais kon baga ou di ki attire attention et quelque soit moun kap tande kade émission sa mon on pral di et pour ki sa fait approche sa mais son approche ki légal ki raisonnable disons bien Guy Philippe t'est arrêté en Haïti yo di était débarqué en Haïti parce que t'elle arrêté Guy Philippe pour question blanchiment l'argent question bagarre trafic de drogue d'accord.